Bizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi ne. Mama mardi ne. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. Olingi ne kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babone la yo. Pona mtoto na yo. Moko ya ele. Poko babone la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à kola na basiwa. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Un nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui revenir un peu sur la question de l'IGF. Vous avez tous entendu le point de presse de Batata Mponyo. Batata Mponyo a qualifié l'IGF de la grande muette. Pour lui et pour beaucoup d'autres personnes, l'IGF devrait se taire et faire son travail dans la discrétion au lieu, selon certaines personnes, de faire le populisme. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui la bouche autorisée de l'IGF. C'est le chargé des communications de cette grande institution qui finalement est comme le bras séculier du président de la République. Monsieur Apo Ipan est journaliste d'abord, enseignant à l'université. Avec lui, nous allons faire le tour de cette question. Mais comme il s'agit de l'argent des Congolais, comme il s'agit des biens communs, et que la langue la plus partagée dans ce pays, c'est le Lingala, on fera le deux. Je le soumettrai à un exercice assez difficile. On fera et le français et le Lingala pour atteindre toutes les couches. Alors, comme on avait déjà fait une première émission, je ne voudrais pas qu'on revienne sur le redit de l'émission passée, qu'on essaie d'avancer. Apo Ipan, IGF, ou expliquer qui est Moukolo, on a rôle Nango. Christian, tu ne me salues même pas. Je sais que tu as beaucoup de questions. Oui. Mais accueille-moi quand même, je suis chez vous, c'est pour la deuxième fois que oui. J'interviens. Alors, je recommence par là. Vous allez m'excuser pour ça. C'est pas grave. D'accord. Mes civilités, en tout cas, Apo Ipan. Vous allez bien sinon? Très bien. Je tiens d'abord à te remercier par rapport à la première émission. J'ai senti le retentissement de cela, c'est-à-dire l'écho. Laissez-moi, au nom de l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Gilles Alinguété, l'homme qui donne des insomnies aux voleurs, aux faussoirs de l'économie, de vous dire merci. Vous commencez comme ça. Mes remerciements à ce peuple congolais qui a compris qu'à travers l'inspection générale des finances, le chef d'État peut avoir le moyen de sa politique. À lui, je vois derrière lui les inspecteurs. Et surtout, la cellule, sinon, ce point de communication de l'inspection de la finance que je pilote. Merci à vous. Alors, voulez-vous qu'on entre directement dans le vif de notre... Je suis prêt. Je suis venu pour ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Franco Dotto. Il est aux États-Unis. Voici ce qu'il me dit. Et je crois que sa question résume la problématique entière. Il me dit, Christian, quand je suivis Apo Ipan, je me suis dit qu'il y a eu beaucoup de voleurs dans cette affaire de Bukonga Lonzo. Dont M. Matata. Ça, c'est lui, Franco. Mais il dit, quand je suivis Franklin Tchamala, je me suis rendu compte que Matata Mponyo n'a pas tort, c'est plutôt l'IGF qui se trompe. Alors finalement, on est perdu. Qui a raison, qui a tort? Alors, cette question, je crois qu'elle est partagée par plusieurs personnes. Quand vous suivez M. Tchamala, Franklin, alors c'est vraiment une parade terrible. Lorsque vous suivez M. Apo, mais c'est en tout cas une intervention pertinente. À un moment donné, on se dit finalement qui a tort, qui a raison. Vous pensez que, Christian, la télévision doit servir de jeu de ping-pong? Je ne pense pas. La question, la télévision, quand on vient, c'est pour une question de vérité, une question d'éclaircissement de la lanterne de la population. Exactement. La télévision, quand on vient à la télé, ce n'est pas pour injurier, c'est pour informer, former, divertir. Je pense. À mon humble avis, qu'avec l'expérience que j'ai
sur cette sphère médiatique, 25 ans d'expérience. Et en tant qu'enseignant d'université, tu l'as dit, je ne suis pas en droit de venir mentir. D'abord, je parle en tant que porte-parole, chargé de communication d'une grande institution qui est en train de changer les donnes de la République. Mais ça a toujours existé depuis 1987. Mais avec la touche, le leadership de l'actuel inspecteur général chef de service, Jules Alinguété, on parle de l'IGF. De deux, je ne viens pas défendre quelqu'un. C'est là où il y a la nuance. Cher ami qui est aux États-Unis, merci de l'attention. Rassurez-vous que M. Apo ne vient pas défendre un individu. Je viens parler de la res publica, la République. La chose de tout le monde. La chose collective. Je viens parler d'un patrimoine commun. Je viens parler de ce pays de Lumumba que les gens ont blagué avec. Un pays, quand je pose la question à l'histoire, j'interroge l'histoire, on me dit, nous sommes méchamment riches, avec une pauvreté qu'on ne sait pas comparer. Christian, vous êtes un journaliste qui sait faire des investigations. Savez-vous au moins sur le plan des statistiques du budget? C'est publié hein, depuis hier. Hein. Nous sommes presque à la queue. Après nous, il n'y a que deux pays, pour l'Afrique évidemment. Il y a l'Érythrée et un autre pays là, dont nous partageons le même niveau de budget, 4 milliards. Est-ce normal? C'est un pays de hommes normaux ou un pays de voleurs? C'est ça la grande question. Ceux qui n'ont pas bien compris, j'ai le droit de dire ceci. Les gens viennent mentir sur votre plateau. C'est ça qui justifie ma présence, cher Alain. Ils viennent mentir. Je vais démontrer. L'UGF ne vient pas régler des problèmes avec qui que ce soit. On n'a pas ce temps-là. L'UGF étant contrôleur et auditeur supérieur de finances publiques, des biens de l'État et de la territoriale, va pour contrôler. Croyez-vous, Christian, avec l'intelligence dont vous disposez, cher ami, qu'un contrôleur peut être aimé? Comment expliquer une affaire qui est déjà déférée à la justice? Les acteurs, voulais-je dire, sont déférés à la justice, mais ça doit défrayer la chronique sur les plateaux. C'est le problème. Ce qui n'est pas normal. Vous n'avez pas le droit d'amener l'affaire en justice. Vous n'avez pas ce droit-là. Oh, wow, il fait vivre pour eux. Limitez-vous à publier les rapports et faites à la justice de faire le boulot. Pas à vous d'amener. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu Tout-Puissant. Moi, je vais prendre cette phrase-là de Dieu. Le peuple congolais, quelquefois, est trompé par manque d'information. Voilà pourquoi je vais donner la vraie. Écoutez, l'UGF, je crois l'avoir dit, l'UGF est l'inspecteur général de finances, est l'OPJ à compétence restreinte. Vous qui avez fait les droits, les juristes qui sont là, ils ne vont pas me contredire. Il est l'auxiliaire de la justice, comme on dit. Mais cher ami, restons sur le plan du droit. Lorsqu'on est OPJ, on peut être à la recherche des infractions. Oui. Pour les regarder dans votre tiroir. Non, c'est pour déférer les acteurs à la justice. C'est ce qu'il fait l'IGF. L'IGF, lorsqu'il contrôle un service, une entreprise, une province, j'en passe. Après les enquêtes, l'IGF prend les rapports. Je crois que c'est peut-être ici ou ailleurs où je dis, les rapports de l'IGF sont destinés à une consommation juridico-administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que après les rapports, on prend ces rapports-là, on l'envoie au chef de l'État. C'est ça, le plan administratif. Juridique, on prend ces rapports, on l'envoie au parquet, auprès du procureur. On envoie pas au parquet pour plaisir de le faire. C'est pour que les auteurs déférés à la justice soient jugés. Et qu'il y ait des sanctions irrelatives. Très bien, je voudrais qu'on en... Donc, nous sommes en droit. Lorsque les gens ne maîtrisent pas les textes qui régissent cette institution, l'UGF, qui a une autonomie financière et administrative, on doit se taire. Pourquoi on vous appelle par probité intellectuelle. Pourquoi on vous appelle la grande muette? Oui, la grande muette
personne qui dit n'a jamais été inspecteur de finances. Nous sommes en 88, il a tenté, il a passé les tests avec de M. Gilles Alinguit et tant d'autres inspecteurs qui sont là, ils sont en train de me suivre, ils vous félicitent. Mais lui n'a pas réussi. Ah, c'est pas vrai. J'ai dit Matata Tampogno a échoué dans ces tests, à ces tests-là. Oui. Je l'ai dit. J'étais sûrement en sixième des humanités littéraires. Voilà pourquoi mon expression montre que je suis de Cicéron. Je suis de Jean-Jacques Rousseau. Je suis dans cette école-là. Enfant d'un professeur. Oui. Je ne vais pas trop parler de moi. Je parle de l'UGF. Excusez-moi. C'est juste une parenthèse que je ferme rapidement. Viens ma tête en pône que je respecte, que je respecterai toujours. Mais échoué qui n'a aligné. Avait échoué. Donc, au test. Tout le monde a l'ingala. Ma tête en pône a échoué qui n'a testé à l'inspecteur. Oyo a l'ingété à Zouaki. À mon français, dans le bien. Même ma vice-ministre, au Lobaoudé. J'ai dit, dans le doctorat universitaire à Kinshasa, dans la faculté à Sciences Po, je dois avouer aux amis que moi j'ai fait 82% de grande distinction. Nazala bato na tanga na bango ba Hollande ba yebi ba musoba ba kutu mayela kisi ba koko ne ba tie mayela na mité. Malheureusement, je ne veux pas parler. Invite-moi, c'est une émission, on peut parler de soi à peine. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui ont guéri sur ça. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que vous êtes aussi l'objet de beaucoup d'accusations. Oui, j'accepte. Je ne réponds pas. Ça, on dit que vous n'avez pas le niveau qu'il faut. Bon, bref. Ça, vous n'avez pas. Ça, il faut accepter. Pourquoi? Pour constater mon niveau, pour avoir le même niveau que moi. Ok. Alors. Non. Ça, on peut pas aller vite. Ok. Allez-y. Permettez-moi. Allez-y. Pour jauger l'intelligence d'une personne, il faut d'abord que vous soyez intelligent. Sinon, le noir, vous l'avez appelé rouge. Le rouge, couleur verte. Les personnes habiles, psychologues ou que ce soit, les gens qui ont fait des bonnes études, ne critiquent pas, n'injurient pas. Si critique, il y a objectif. Et par probité intellectuelle, je comprends que l'honnêteté n'est plus là parce qu'il y a des biais de banque qui circulent. Va injurier M. Apo. Va dire ce qui n'est pas. Cher ami, je suis chef des travaux depuis 2008. 2007. Vous imaginez un peu? Je devais défendre, soutenir ma thèse qui est dirigée par le professeur Labana, suivi du professeur Makessi et enfin le professeur Omeyonga. Voilà le comité de ma thèse. Comme je cherche trop l'argent, j'ai pas assez de temps. Mais la thèse, elle est là. J'ai oublié de te l'amener. Prochainement, je vais te l'amener. Très bien. On en parlera un jour pour toi. Mais revenons. Mais ce sont mes étudiants. Revenons. Niveau de mes étudiants. Et les mes étudiants brillent partout. Hein. D'accord. Revenons sur la question. Matata Tampogno, à Passa qui teste, à Ishuaki, place à Lingue Tazouaki. Mais alors, il y aura ce qu'il y a dans la 4e conférence, Oyo, Matata Tampogno organise à qui, donc on m'appelle son Alobiboué. Jules Lingue T. Atikala Kozouate. Disons, à Tikala Kumbatabaron, je m'attends à qui classe moi, c'est vrai. Tant que Babimi, il y a comme directeur à Besseco. Gilles Alinguié était à Tikala comme directeur à Besseco. A eu comme ministre à Finance, Gilles Alinguié était comme ministre à Finance. A comme premier ministre, Gilles Alinguié était comme premier ministre. Jalousie, Nyonso et Vandi Wana. Na place où il y a comme à niveau Gilles Alinguié était à comme. Alors, M. Matata ramène le dossier à niveau à Jalousie Wana. Alors, dites-nous, est-ce que vrai. Alinguié serait en train de se mordre un peu le cœur, de me dire que pourquoi on a évolué, on a évolué, assume ma fonction minière. J'étais celui qui avait posé la question. Merci, Namutunanayo. On appelle Nandaki. Nazaki Nassal. Ok. Bonne information. Vous posez Nassal. Nazaki Nassal, Hermona Biminanga, Nakivana Nicolas, pas vient à moi dans la même ligne. Pour n'envoyer pas interpréter en scène. J'étais dans la salle. Il y a des gens qui m'ont vu dans la salle. Il y a un bangade. Il y a un bangade. La scientifique, ma biceps, il faut que la gymnastique intellectuelle. Christian, vous avez dit que 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 vous avez. Mais, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que premier ministre. Et vous avez dit que 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 vous avez dit que
Non, pourquoi tu as comme un niveau tu as un niveau un niveau j'ai des témoignages de papa matata. Je n'ai pas de témoignages. A Mayeli. Si on a vanné dans la kitchen, on a vu que matata a sabo et n'a pas de papa matata a un peu de mal à la Mayeli. Faut tout dire. Ça dit promotion à Bangouana. Et bon, tu as un peu de Mayeli, 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 Mayeli. Baton d'inspection. Il y a un peu de herbe à Silici. Pour y avoir un peu de machia. Premier cycle, c'est là où on a une loupe. Aïe, ce qu'on a, il y a une kin. Il y a une bonne histoire pour moi. Matata pour nous. Ok. Bah, il y a un groupe. Il y a un groupe. Les bandeli, bah, j'ai l'ingite, n'a pas de souci. Pour les raisons qu'il a habité, tu m'as rien dit, maman, il va vendre, il va t'en dire, bah, c'est ici. Yé, papa, ma tata, il y a même directeur, ma tungulu. Papa, ma tungulu, il y a papa, j'ai l'ingite, directeur, mon gars. Ce qu'on a rendu aussi, ça, Rawana. Mouninga, bim, la 68. À l'ingite, 68%. Papa, ma tête, 1963. Mais, en ligne, pas distingué, en ligne, 68%. Peut-être en ligne, 63%. Eh bien, si, c'est qui? Eh bien, c'est qui? Or, normalement, en ligne, il fallait distinguer. Il y a un problème, un prof, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de salaire. Hein? On a vu dans 82%, il me semble. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de distinguer. Mais en mérite, il y a une distinction. Bangon, il y a un bâton d'inspection. Bah, c'est plus la car. Bah, t'as un car, non? Ceux qui m'ont dit, c'est un inspecteur, là, c'est bien pour Amaïe, il y a quelqu'un dans la banque centrale. Mouzito, inspecteur général des finances. Donc Mouzito, madame, elle est dans la classe. Bah ça la teste, Kuna. Ok. Mouzito, tu as un inspecteur général des finances. Oh, tu as un raté. Si quoi, Mambo, il y a Otto, le boya, Kokichi Sabaninga. Non, ils ont sonné. Papa, on est comme ministre. Non, 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 comme si tu étais ministre, nous sommes tous ensemble. Tu es un modèle aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et puis, comment un ministre qui est en train de se faire? Pourquoi ça fait un parti politique? Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu nommé de premier ministre. Il dépend de la chef de l'État. Le nom a nommé Bisso Ndekoyo. Sama. Sama est ministre de sport, non? Mon ami Kassim, Toto. Jambo, Jambo. Mungu Kubarikia. Zamba Pambre. Navarra m'a coûté un autre. Nous sommes pas Kassana Katenge. Donc, comprendre le cas. Tout Tambula Mobuta, Tambi Zamba Père. Donc, mystique, tu commences à partout. Ne pas de couleur dans la tête de Nazaka. Bon, Mokaoyo, Ndengi Saboye, na Banzi, de ba nommé Papa Sama. Aïe, Bagi. Non, président, Tali, 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 Ati. A quoi tu as pas à l'ingite? A limite, Jules Alingete a toutes les compétences voulues pour être premier ministre, surtout ministre de la Finance. Ça, pas maintenant d'avoir comme inspecteur général. Pourquoi comme inspecteur général de finances, faut d'abord inspecter. Faut débat. Il y a des talités, 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 il y a des et donc, moi, réponse, ça, on peut maintenant, moi, réponse, inspection, vas-y. Et pas, il n'y a pas ma tête. Ok. Nabosem, bon, on se peine à l'imémia. On va le bon nuance à l'ingala. Yo, vaninga, le quoi, gai? En tout cas, Christian, il se les délégués. Oh, le vaninga, le quoi, gai? T'es, ça passe. Nuance à l'ingala, trace qu'on nuance à l'ingala. Nabon piki liki nyonso. Oh, et comme vous connaissez, vous avez dit que vous avez dit. Tout simplifié. Ah, yes, go. Tout simplifié. Ah, moi. En tout cas, dans ma canza, c'est compliqué. Toujours. Bolingina qui est dit, mais le bien nuance, c'est un lingala. Tengate, on tourne le travail. Oh, le balingala, ne m'a pas dit mboka. D'habitude, le balingala. Bon, on a outa. N'a outa zamba. N'a outa zamba. Ok. Donc, toujours, on a outa zamba. Donc, toujours, on a outa zamba. On a finga raté. Réponse, Balobini. Mon professeur. Maninga ni basiliki. Abi esali pasi ma papa ma tata pona akitisa bato ba yebani bango nyonso na yena bango na mayele ya kelasi na musala inspection ezan expertise mon soki président de la république asimi obandenga simbi boyi mboki kuningana mbongo musole kokota ya mibale balobi suboyi papa ma tata asenga ki ba pesa ye intégrité ya rapport bako pesa ka yango jamais. Oh, il y a le bagu qui fait la seule, le seul moyen pour vous permettre de réagir exactement de quoi vous lui reprochez. Merci, Sakolo. Ok. Bako pese réango, jamais. Yami, ça, tu souviens, Yamine. Bassengi na papa matata, azela,
kosamba na ye na procès wana kosa na procès. Pona nini naza ko s'agiter. Yazolo bao na moni ndeko kamanda ya RFI ya komana RFI non. Si si. Atoni mutuna papa matata lobi oza ko s'agiter le kola Jules Alingete. Inspecteur général des finances. Muningo tangi na ye. Azape na problème na yo te règlement de compte mon côté obé makambo yo kambaki. Ye pa yina terrain te atinda giba. O finga muninga tina niveau wana to limbisi. Balbine boyi. Aze la kosamba atika agitation. Mon sousounin. Balobi montant o ya 285 millions. O ba dekesa ki na kati ya musolo ya l'état ya Mburamatari. Ezali ya solo. Jamais. Yo kati papa. Ezali ya solo. Babi matata mponyo ye mogo papa matata. Ayibi keza ya solo. Balobi. Nabi te se nomen nga lango bien. Nyon son balou kangwana. Balobi boyi. Bango après enquête, moussori a 285 millions. Et bimi pendana, na kesi ya l'état. Papa matata ayebi yango. Yang ya moussousou. Isa moussousou sik. Balobi souboui. Na li même yanyons. Ndeko papa matata mponyo. A saneli na ndenge ebe. Mukanda wa inspection a pesa kiye. Non, le bon en français, de Konangaï. Nous sommes en les qui non. Les inspecteurs des finances disent ici, ils sont au regret de constater que le premier ministre honoraire, le sénateur Matata Mponyo, aujourd'hui, a utilisé d'une manière abusive la note lui envoyée par l'inspection générale des finances. C'est-à-dire c'est du jamais vu. C'est-à-dire quoi exactement? Balobi Bogi. Le lingue papa Matata a joué. Notre batinde, eux, ils ont sekele. Batinde la ye. O Italie, parti Italie, batinde le kiwana. Azan en dingi, sa mbo kote ya kopé sa mba journaliste. Et puis, ko samba li boso ba journaliste. Non, a sambite, je rappelle. Ce n'est pas normal. Je rappelle, a sambite. Ko samba. Y a lobby que, voilà, je vous dis, parce qu'on a dit la conférence. Ok. Voici ce que, pour banini ya Mata Tampon. Mata Tampogno ne reconnaît pas les 200 millions de dollars au besoin montant. 285 millions. À connaître 150 millions quelque. Oui, à reconnaître. Et puis, il y a l'objet que ma débâcle est le bandi a prié. Mais à comprendre pourquoi c'est lui qu'on accuse. Parce que hier, à l'objet que Maramoutou et Abtang Nézali qui est premier ministre, Bougangalouz s'est porté bien. Il n'y avait aucun problème. Il y a aucun problème. Tant Bougangalouz s'est porté bien, il y a un journaliste qui s'est porté bien. Ndala zaki wapi. Bana mboko wala nabisu bazaki wapi. Papa. Wana yemu talobi. Nana pousa na pa comprendre. Alobi, un, tout s'est passé bien quand il était là. Makamu bani ko beba quand il n'était plus là. Mais azo comprendre de pourquoi focalisation sur yé. Un, deux. Nana ponen wala. Oui, vas-y. Mena si si message, Jeff. Ponga na zala moulobi, na ocha commentaire nangate. Ok. Balobi bongo. Isali pati. Biba sengi azela ko samba. Babi monta ya 285 millions ya onde bimen ki yepa yebi yango. Est-ce que ma preuve? Balobi. Kanazo yati. Oui. Na wushite wana. Okay. Balobi, yoko kimi sanana makanisi, maloba ya bato, sena lobe yango biente nde konangai. Alizi, zwa yano tranquille. Babi aza na kimia, aze la kosamba. Nabanzi, nde konangai. Le fait, yoko zwa not, oba tindeli yo, na procedure IGF, ya l'état pesa IGF, ozo ango, oba nta koibi sa, na public, balobi nanga boye, opesi réponse. Lobi nanga boy na lingala to bien ko samba te Christian peut-être le crucifix on lingala ni bon peut-être ko samba kan do lobi ah bon o ko ko pa lingala ici eza na ndenga mabete non iko sali mate mbali bozito mona ona vie mais inspecteur azokama yo lobi ke yo vous attaquer yo kan na répondre na ina répondre papa ma tata malheureusement yo yana na conférence te mona na ngona télé o so yo kan affaire bukanga lonzo batanga koma ya papa ma tata mpoli batu baza 7 personnes au bas cité. Ce qui va citer Bango, donc tout le monde, et bon mamboka totonga te ki moyibi mudazo zo bon leta zo lienga lingi ndeti no moni je fa comment ko publier to sali pe passeport ko la sake dande batando ko yiba
wana na yanuli. Balobi beso batinde li onotu wala. Na conférence batanga y komboté. J'étais là. C'est moi qui organise ces conférences. Batanga y komba pour ma tatate, avec tout le respect. Aye, yango. Bon, tout paniqué ni migas. Nga la tuni. Oyoka, bon, baza 7. Bamso ba lobate point. Mais la question de. Baza 7. Oui. Otuna mutuna ma yabonia. Oui, na tuna kiyo. Nzambi ya pambula yo. Ozoke yano. Ozoke yano te. Ozoke yano dongolomiso. Yo zoe yano wapi. Na komo no ya Christian Boisembe yebani. Yo moni mpangana biso atangi yo. Kope sa ba tukana ma conference te yope. Mituna msuba tuna kate. Mutuna no zana lungonya. Tika na peso lungonya. Mena mi papa matata yano lite. Mutuna wana. Baza sambo. Ba ike ba lobite. Na epeste. Baza 15. Zomi na mitani. Yo so yo ka mutumuka lege na TV abaniko samba. To abaniko sa conference to alobi. Tout temps rakuma wote likambo ça les mécanismes de Christian soki conférence Cécile to vana ka kimia lokola cimetière au somo na maya lak ok na maya maya ndo mete e google bon c'est non bilingala il comme makas ka baka tango yibali e vana ka ni mais soki tomboki e sala ka bangombo ka batwa kufi na maye o batwa utaki mbanda ka e batwa utaki boende ba uzoma swa badindi e bali tomboki ele ka ngomba. Mais il va dans le Kimia. Il j'ai fait un gouana. Il va chez moi. Il j'ai fait un Kimia. Assez Moussaïne a tiré pas chef de l'État. Assez Moussaïne a tiré la justice Bassam. Si quand tout le monde a la télévision, vous voyez, nous allons aller côté de papa Matata. Il j'ai fait Kossi. Quel bâton dans la population, tout le monde était. Moussaïne a été inspecteur de la Moni Pasco Salawana. Babi Semino, Boukangalozo, objectif de l'État total, Ndeni Bajere Mbongoana. Deni débâcle financier Salemi. Ba pesi raison. Na contrôle et suki boy. Tomoni batu baza 7 bangonde baza bako samba et pas à l'état. Mbonge bazoke pas à l'état 285 millions. Ba saleli kaka 80 millions, ça a vérifié encore. Yaka na na procès koyoka. Tolo ba tolo mo mamsu te. Beaucoup de gens ils vont procès. Oh, tout ça qu'on a procès. Ya tokei. Et pas boy batu baza zomi na mitanu, mbonge bungi boy. Ainsi de suite. Yo suko yebi dossier te. Intégrateur du CIT. Oyo l'obana TV, Nini. Nini, c'est la population, c'est là-bas, samba. Ceux qui ont monique aux hommes ont promis. Et puis, pardon. Tout confondre inspection générale des finances, na inspecteur général des finances, cité. Inspecteur général des finances, papa n'a pas ce jour la lingueté. Akenda kana terrain, te. Christian, yo za journaliste, nga na journaliste. Surtout dans mon organe, nga na zana jeduk na ngawan. Na cause ba reporter ba tenena terre ba yena ngo ba yilinga ngo ngane na uchina terre inspecteur général Jules Lingete akena na terre te atinda ka ba inspecteur na ordre de mission avant inspecteur aya ba tinda ka avis avis wana oyam o lingo lingete ba kuya pour l'état plus mon ndingisa wana inspecteur mais ton moni mutu débat il s'est déplacé et dans ce débat il était ba fêté. Comme il y a Kofinga. Ngana lingi toujours on est lourd moi simple. Nana tu vas boire même que na chef de travaux. On a porte parole du chef. OK il y a un niveau même pas à moi na ngaya na maternelle na CBC. C'est pas vrai. Toujours. Bah nga ba français bien. Je comprends. Bah je comprends pas. D'ailleurs il est bien. Toujours on a. Bah les journalistes c'est béni. Oui, toujours on a base. Bino botangi kombo mutute. C'est ça que les gens veulent savoir. Oui. Botangi kombo mutute. Bon OK. Pourquoi monsieur Matata Tampone répond? Pourquoi tu qu'il répond kana lingi kabo? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui l'a amené ou qui l'a poussé à répondre? Parce que je ne considère pas... Très bonne question. Très bonne question. Donc, il a dû certainement être heurté, choqué, dans quelque chose. Et ça répond à Nini, selon lui. En moins, jusqu'au Christian, on va bien me penser ça, moi. Question donc, nous a réponse, c'est... Surtout, nous avons un IGF. Ok. Vous voyez? Oui, oui. Il y a un IGF, exemple. IGF, la bandeli. Nous avons l'objet IGF. Tout le temps, combo y a battu. Tout temps à rater, mais tout peut résumer. Na monto et bungi à l'état, bâton avec ne ressemble pas à Mboulamatari, la justice. Justice a yok, bango yok à bango, après à Katalikam. Papa yo, sali boye, mbanono et sali, mbano l'axis sanction, hein, ou le quoi, nuance à l'ingal, mbanono et sali boye, yo sali boye et simkiwan. Ce qui te constaté na télévision, Christian yoko défendre à Poipan. Est-ce que n'gam na tindi yo? Est-ce que? Yo mogo sale on ndenge na yo pour na peso mo li meya est-ce que na bolingo talike bukanga na premier tense na na vie na ngamoko na po ipal tena ba no kote la dia po lokoba le mo premier tense tamu zina zala ngapi kunati
promis Zawana. Quand les gens passent à la télé pour défendre, pour se faire avocat des personnes dont tu ne maîtrises même pas, et du dossier dont il est ignorant totalement, il ne connaît ni le tenant et les aboutissants du dossier. Un dossier transféré à la justice. Mais comment ça peut défrayer la chronique? Bon, revenons sur... Nancy Lissa. Oui. Quand mon bisso, na IGF, tu as constaté, tu as commis un fin inspecteur, je suis mon arrobat. Bangai le quoi là le bambou, je sais pas comment finir nangai. Comment même classe mais étudiant mais ça na bangou bila. N'a pas si les qui nangai grigène bakonga étudiant nanga, asal ilo rapporteur na bureau d'âge à Sina. Nkana eh le sacu, zakumba pambola, bonye ke libuso. Je l'ai enseigné, grigène bakonga, rapporteur na Sina. Rapporteur oui. Même les airs tambouyo, c'est mon étudiant aussi. Jacqueline Nala, à la science commerciale, nous avons formé un des comme journaliste, ça va trop faire belé. Naba organe, nous avons une union, soit vous en étudiant. Il y a d'ailleurs bien. C'est comme que nous avons été pour Nanini, et au Moni Bongo, mon conza copain, Gabi. Ah, Apo, on a dit ça, Nice. Va recadrer, français Bokangan, recadrer, donner la vraie information. Nous n'avons pas cité tel. Pourquoi il dit ça? Il a menti. N'appelle ça Nakisa. Papa va être tamponio. Herba toi l'église qui na communiste. N'a vidéo sur mon tatine mangwa. N'a bien ngade. Herba l'église qui na communaie. Il est moi ça la conférence. Il y a les bosso. Alobi, IGF ngam na tinga ki IGF. Ba ça la contrôle. Ba pesa ngai suite ti kino lelo. Oui bien go. O tuna bien o tuna wa. Njoka ne papa tata to tinga ka e. Moi likasa wa. T'as l'air qu'on est monde de rattraper par toi. Papa, ma tête a dit mon candidat. Bon, mon candidat a pensé ma journaliste, ça se dit wapi. Au moment où il a dit, j'ai fait ça. Ça aussi, on se pose des questions. Non, il a eu ça. Il avait accusé réception. Oui. Yenda, il y a Maka Kassawana a signé qui n'a zui. Mais le bac a zoi. Ah, il y a Nola. Libosso, le bac a zoi quitté. Ce qu'on a conférence, Ndeina le bac a zoi. S'il vous plaît, de quoi, en États-Unis. Peut-être qu'il y a qui après. T'es. Mais yo, il y avait une avant conférence, mais non. Oui. Dans le bac, il y a Maka Go. À qui j'ai réception. N'est-ce pas que l'inspecteur a dit non, que nous recadrer les cambouilles. À la Kisinga, Mlokasa, au papa Matata. Et puis, à répondre à la feuille d'observation. Si on a une feuille d'observation, on va tenir la Kamoutou. Ami Limola, toi, éclairci, dossier, Moubo. Toi, c'est préparé. Argumentaire. Élément naïe. Ok, non. Oui, Albakini. L'argumentaire naïe. Dans un drôle, le bon côté. Ok, bon. Toi, avance. Dans la limite. Voici ce que Matata Pogno dit. Nous avons Matata Bozo qu'on a été la place il y a longtemps. Matata Lobi Boué. Montant, on a IGF à Zui. Il a eu Moko Matata Lobi Place Bozo Montant. On a été. Montant, on a 285 millions. Abi Montant, on a fondé. Question des Zélingi. Abi pour fondé. Ceux qui sont au Gawana, ceux qui sont au Gawana. En tout cas, Nandoya. Et puis, on a un peu appelé. Vous êtes d'accord, hein? Pour nous, il faut attendre. Merci. Nous n'avons pas de problème. Je suis là, je suis là. IGF a vendu Kabo. Il n'y a pas de problème. Ma tête est. Ma tête est là, l'inspecteur général. Baba Master. Bata Nanti qui m'a dit. Bien qu'il y ait un kit, ça va. N'y a quoi? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Il y a promotion. Mon temps, on a et où tu as contrôle. Tu as sali contrôle, les inspecteurs au Fingate. Numéro 1, IGF T. C'est pas lui, il n'était pas sur le terrain. Il y a eu 5 inspecteurs. Que je ne veux pas citer les noms, 5 inspecteurs en terrain, bah mon montant. À supposer, restons dans l'hypothèse selon laquelle. C'est pas Nani. C'est là. Non, le mot français. C'est là, moi bien. Non, mon prof. Il n'y a pas de problème. Restons dans l'alternative qui a deux hypothèses. La première, et que Papa Matata aurait dit vrai. N'est-ce pas? Oui. Et que l'IGF, les inspecteurs auraient. Menti. Menti, oui. Raison dans cette hypothèse première-là. On se demande. Comment expliquer que Badibang, qui a remplacé, qui avait remplacé Matata Ampoun, confirme le même montant de 285? Donc votre source, c'est Badibanga? Non, les contrôles. J'ai dit contrôle. Oui, mais vous avez contrôlé qui, où, quand? Je voulais terminer par la première question. Allez-y. Où, quand, où, là, tu as toutes les réponses. Ok. Je vois les journalistes me mettre dans les ces questions de référence, tout ouais. Ça, quand, où, tout ça, tout ça, reportage, t'es papa, t'es qu'un français. Dans cette première hypothèse, ouais. Je prends un argument d'autorité. C'est ce que je cite, Badibanga, qui a confirmé aussi. Il a dit ça quand?
Badi Mangala dit, lorsque nos confrères journalistes ont osé faire une enquête plus que l'UIF, c'est que c'est ainsi que lui va réagir. Il a qualifié cette enquête de bidon, d'aventurisme. Et moi, il m'a donné les montants. Ce n'est pas l'inspecteur, c'est Badibanga. Il a accepté même qu'on mette même sa figure et qu'on cite son nom. Voilà pourquoi je continue à le faire. Le sénateur Badibanga a accepté que vous citez son nom. Restons dans cette première. Il sera invité à la justice. Là, je ne sais pas. Je ne connais pas le contenu. Oui. Deuxième, dans la première hypothèse, n'est-ce pas? Le premier ministre sortant, Ilunga Lukamba, a eu à marquer de sa présence à Bukangalonzo. Pourquoi? Il a vu d'abord l'argent sorti, le volume de 285 millions sorti. Il dit, c'est pas possible. Il est professeur de l'inspecteur et de Matata, pour ton information. Il est allé regarder, il dit, non, c'est pas possible. C'est lui qui a écrit à l'inspection de diligenter une enquête. Parce qu'il a sorti de 285 millions, ce que je vois là, ça n'équivaudrait jamais à ces montants-là. J'étais avec la première hypothèse, je prends la deuxième hypothèse. Même si je ne suis pas totalement convaincu pour la première hypothèse de 280 millions. Je continue à poser ma question. Je n'arrive à la deuxième hypothèse. Qui d'autre est la source? Est-ce que la banque centrale? Est-ce que... Je suis dans la deuxième hypothèse. Alors, allez-y. Deuxième hypothèse. À supposer que l'IGF aurait dit vrai et que Papa Matata aurait menti. Tu sais pourquoi j'emploie ça? Merci. Mais voyons. L'UGF est la seule institution qui peut aller à la Banque centrale contrôler toute sortie de fonds, c'est-à-dire les OP. Quand on dit « Donnez-moi les OP de Bukangalonzo », c'est-à-dire le gouverneur va donner l'ordre qu'on donne, premier élément, dont ils ont eu à partir de la Banque centrale. Deux. Vous affirmez que j'ai fait aller à la Banque centrale. J'affirme de Luka Kombo et Luka Firmi. Ok. Je suis le porte-parole. Ok, ok. Luka Kombo Wan. On n'a pas besoin de Luka Kombo. Luka Kombo Wan. Quelqu'un a affirmé. Ok. Luka Kombo Wan. Allez-y. Bah, inspecteur. Pourquoi tu n'as pas mis sur la sécurité, monsieur? Mais il y a un but. Bah, inspecteur. Bah, qu'il y a un bateau, bah, Jera Kibukangalozo. Notamment Madame Ida. Yondo Tinatanga, comme inspecteur, il est mis ça. Mais tout n'a pas besoin de Madame Ida. Madame Ida, à l'Oba, à l'accès à la gestion polonaise d'inspection. Papa, tu sais que tu es après, c'est confiance dans mouton, on a ébutina. Maman Ida, mouton, c'est gazoami. Abimé, c'est que les mignons sur la gestion. À part Maman Ida. L'inspecteur va changer pour changer le dossier et pour le dossier nous c'est ça qu'on a changé Neni et Simbaté. Inspecteur. Vrai journaliste a dans l'information le roi. Parce que vrai journaliste au-delà en dehors il y a information. Il faut que je zappe dans mon bagage. Et sous mon rabat. Il faut que je n'aime tout le monde. Et vous tournez les lingues. L'inspecteur va te salir contrôle. L'inspecteur va se en Africom. Je vais vous dans mon émission pour vous tout le monde. En Africom. Africom a lobby. Est-ce que vous avez un invité ce inspecteur ou c'est Dilanga du soir. Africom a dévoilé ce que les gens sont. Je vais vous en Afrique du Sud. Wow! Moi, je suis un Kébimi. Ah oui, je suis un côté. Inspection, partant il y a sortie des fonds. On appelle les dépenses publiques. En fait, dans un État, par rapport aux finances publiques, ça me rattrape, non? Moi, brutalité, je voulais dire que dans les finances publiques, cher ami, pour ceux qui ont la chance de lire la comptabilité générale, de les finances publiques, fait de bonnes études bien sûr, comprendront qu'il y a ce qu'on appelle recettes de l'État, qui d'ailleurs notre économie, une économie qui est vraiment fiscalisée, permettez-moi l'expression, ça conduit à l'encaissement de recettes. Et l'État,
C'est ce qu'on voit dans les budgets sans toutefois entrer dans les principes budgétaires. L'État a des dépenses qu'il a, qu'il opère, qu'il effectue. La banque centrale, qui en fait est la caisse de l'État, la banque des banques, c'est elle qui a le monopole de la gestion financière de l'État. C'est-à-dire, les finances, l'argent. Mais l'argentier, c'est le ministre des Finances. Donc, les inspecteurs des finances étant du domaine, Mouta géographie à quoi comme inspecteur des finances, Mouta sali histoire à quoi comme inspecteur des finances, Ngaï, en tant que journaliste, internationaliste, à quoi comme inspecteur, inspecteur faux à la Mouta finance, fiscalité, droit, ainsi de suite. On remontait la filière. Partant du budget, ils sont allés au ministère des Finances. Après le ministère des Finances, ils vont à la Banque centrale pour constater la sortie des fonds. C'est de cette sortie, on parle des OPE, les ordres de paiement. Les inspecteurs font un calcul de tous ces documents, leur position. Ils descendent, là c'est la sortie des fonds, à Bukangalonzo auprès de gestionnaire. Comment a-t-il géré, affecté l'argent qu'ils ont constaté à la Banque centrale? C'est alors que les inspecteurs vont constater ceci. À la sortie, ce qu'on appelle décaissement, la sortie des fonds à la Banque centrale, 285 millions. Vous avez fait sortir 285 millions. Comment aviez-vous utilisé utilisation en comptabilité, on dit dépense ou affectation. L'affectabilité des recettes. Ils vont constater par les gestionnaires, c'est un contrôle. Les documents présentés, ils ont pu remarquer qu'il y avait seulement 80 millions dépensés. Les inspecteurs vont voir les partenaires. Non, ce qu'on a ma question, hein, Pactio. Vont voir les partenaires parce qu'en fait, le projet agro-pastoral Bukangalonzo, c'est un grand projet. Avoir des sommes de 185. Donc il y a un partenaire. Quel a été l'apport du partenaire? On ne nous a pas dit. Quel a été le montant réellement dépensé? On ne nous a pas dit. Quelle a été la somme décaissée? On a menti. Les partenaires, on lui pose la question. Quel inspecteur m'en excuse? Je voulais mettre fin à cette histoire. Le partenaire dit ceci. Pour affaire Bukangalonzo, voilà ce que j'ai encaissé. J'ai encaissé ça. Mais c'est sorti là. Je suis resté avec ça. Vous allez demander comment l'inspection a eu la capacité de déterminer les montants sortis. Qui est ses partenaires? Africom. Tu les connais? Africom. Oui, tu les connais. Est-ce que vous avez lu le rapport de Ernest Young? Matata Tampon, on parle de Ernest Young. Très bien. Il l'a audité et qui n'a vu aucun flou et aucune zone d'ombre. Très bien. Présenté plusieurs fois et qui n'a jamais eu de problème. Mais pourquoi le rapport de l'IGF est contraire? Comment on peut faire confiance à une institution dont les gens ne maîtrisent pas et qui a demandé à ce cabinet d'auditer Bukangalonzo? Et pourquoi? Pour la transparence. Je pose des questions. Oui. Je suis journaliste aussi. Hein. Oui, pour la transparence. Les concepteurs de ces projets, je pense que ça doit être pas mal à tête en pognon, à moins que je m'amuse. À moins que je m'amuse. Est-il possible que quelqu'un, concepteur, premier ministre de son État, qui doit sûrement aurait signé le document pour la sortie d'argent, puisse diligenter une enquête, commander une enquête? C'est possible, on parle de contrôle interne, audit interne. Si c'est un cabinet extérieur, il a ses objectifs. Tu sais que pour enquêter, il y a des audits qu'on poursuit. C'est ce qui fait le chef, il détermine les objectifs. Il a eu ses objectifs. Cela n'exclut pas que l'officiel, qui est l'inspection générale des finances, la seule structure institution habile à faire le contrôle supérieur de finances publiques, qui s'appelle l'inspection contrôle au cabinet Young. Parce qu'ils ont fait avant vous. Les experts qu'il y a là ne sont pas plus que l'IGF. Excusez-moi, on ne doit pas rabaisser l'IGF à ce niveau-là. L'IGF est plus grand. Plus grand. Oui. Il n'a que des experts là-bas, Christian. Oui, mais bon, ça, nous ne sommes pas. Et dans notre pays. Bon, pourquoi on n'entend pas la justice? Qu'est-ce que vous voulez dire, ma conclusion pour la justice pour l'année? Oh, mais c'est notre droit, non? On a trouvé que l'État était pillé. Il y a eu spoliation de finances publiques.
permettez-moi l'expression. C'est ce qui me pousse à ça. Mais c'est normal. Il revient à l'inspection de déférer. Madame, tu as une question, mon compte. Abi, vous vous prenez pour qui, l'IGF? Ça, c'est ce qu'il a dit dans la. Pour le contrôleur général. Abi, vous vous prenez pour qui? Et à un moment donné, l'IGF se prend pour qui? Vous pensez que vous êtes tout permise? Pourquoi son Excellence, le sénateur, l'honorable, n'attend-il pas le procès? Donc, il est cité dans le procès. Dans je ne sais pas. Alors, voilà, tu me demandes, lui-même l'a dit. Il vous a présenté la note qu'on lui a envoyée. Tant quelqu'un accuse de recevoir une note, donc il est cité. Voici ce qui m'attend à propos. Je réponds. Tant quelqu'un accuse une note, comme il a défendu se battre la note-là, ce qui revient à dire qu'il est cité. Simple logique, règle de logique. Au lobby décaissement. Le syllogisme. Très bien. Au lobby décaissement, au lobby affectation. Je retiens décaissement à affectation. Ok. Très bien. Qui a décaissé les 285 millions de dollars? Première question. Très bien. Deuxième question. Qui a utilisé ces fonds-là? Parce que Bukangalonzo s'étend sur deux périodes. Il y avait à Matata et puis après, il y avait après Matata. Après Matata, il n'y avait plus Bukangalonzo. Faut être vrai. Oh, il y a beaucoup dans le côté de les journalistes aux ma recherche. Après ma tête, il n'y avait pas beaucoup d'alonso. On m'a dit ma parole à Nabisso. Mais respect, sénateur. Mais allons bien quoi? Allons bien quoi? C'est là. La conférence là. C'est là. Baki na yokasi. C'est là pour nous. Baki. Badi ma allons bien. À Kanaka, les gens disent que responsabilité dans la bateau va. Kanaki, Bukangalonzo. Mais pourquoi vous ne demandez pas pour la nini Bakangaki? Justement, il a dit ça, c'est ça le même. Pourquoi? C'est ça cette question-là. Ah, la responsabilité, moi, je réponds. Ils ont suspendu les financements de Bukangalonzo. Pourquoi ils ont suspendu? C'est ça la question. Oui, mais répondez alors. Moi. Aidez-nous à répondre. Ah là pourquoi? Là. C'est intéressant. Le premier ministre honoraire Badibang a dit ceci. Lorsqu'il a constaté qu'il y avait réellement débâcle financière, il avait décidé de suspendre. Pour l'ami qui va Batoumi, on a un problème en français, hein, sur soir, sur si, et déranger à Batoumi. Sur soir. Ça vous a dit, c'est l'air, voilà, c'est galago, vraiment, sur ici. Ah, gars, il est français. Batoumi, on a l'objet, on a un moment qui est détourné, ça. Il y a 205 millions. À quoi va au tic à tic, Batoumi, 285 millions, et l'autre, moi, ma longue tête, il y a un bloc à Kian. Batoumi, on est vivant. Les journalistes sont les félicitations, mon frère. Ils ont un solo. Mais il faut ça au continuer la sélection. La population est un peu plus de temps. Défendre l'individu. Moi, je défends une institution à l'État. Moi, je suis un peu plus. Mon frère, il y a ceci. Celui-là, à Kangaki, je pense que je suis un peu plus de temps. Il y a 285 millions et puis, et l'autre, comme je non. Et puis, il y a tout l'idée. À l'OVPK, inspecteur général, Azalagi, conseiller spécial, il y a un peu de temps. Hein? Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est un grand financier. Hein? Ce qu'on a tout l'idée, il y a un peu de temps. Question, il faut tout l'idée, papa, ma tête. Pour moi, il y a un peu de temps. On a dit peut-être que la procédure, il y a sorti des fonds, il n'y a pas d'abisso. Rappelez-vous, le ministre Yav, la finance, ordre écoute la présidence, ordre écoute par premier ministre, ordre écoute l'investisseur Moussissou, et le ministre des finances exécute par ce qu'on appelle la procédure d'urgence. D'ailleurs, à un moment donné de l'histoire de notre pays, sous les règnes actuels de Félix Antoine Tshisekedi, il avait bloqué ma procédure d'urgence. Parce que c'est par cette procédure qu'il y a eu beaucoup de détournements de fonds publics. Je vous l'ai dit. Il y a de la... ce que mon dossier, voilà, au moment qui va procéder l'urgence, c'est que il y a un bon ami qui était. Il y a un premier ministre, et bah, c'est un premier ministre a autorisé. Bah, c'est le premier ministre a autorisé sortir des fonds. C'est que n'est pas que le problème a tapé, bah, non, c'est n'y a pas permis ça, non. L'habitude, non, ça l'analyse. Très bien. Donc, 285 millions ont été dégagés par Matata. Dans l'état, non, non, je n'ai pas dit. Non, 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 ne me fais pas embrasser ce que j'ai. Dans l'objet, bah, l'objet que Badi Bangande a bloqué qui, ni. C'est que ma tête soit avec possibilité, il y a un bimissamon. J'analyse, je suppose. Donc, c'est pour dire, bon, il y a un bimissamon. Pour la nini, en faveur, il y a un projet où ben, madame Ida, ben, nous sommes en train de gérer. Bon, je suis en bimissamon, et qu'en Afrique du Sud, na konto ya lobiwana. Virement bancaire, wouh, un million. Et qu'en compte Afrique du Sud, pour besoin de la cause, d'après eux. Mais, après les enquêtes, les inspecteurs ont compris qu'à travers cette histoire,
c'est là où il y avait ces grands problèmes de détournement. Il y a le procès. Un autre élément que je voulais ajouter dans la question de Oyo, de Konanga. Combien les partenaires africains Ayakinango, parce qu'on dit partenaire, il y a pas de bon, non? Question des années. Tu n'as pas de journaliste. Je n'ai pas de complaisance dans le ma journaliste, excusez-moi. Na landi yo mutuna pena wala mutuna ya mupanji sango na landi Eliezer bonde musuba limbisa mutuna mutuna solo mais bisu petu chemi tubu, c'est-à-dire combien les partenaires avaient amené dans les projets pour Kangalonzo, plus en tout cas c'est les partenaires ya Congo Buzz partenaire na yeka kiyapo partenaire na ba faire bongo aye na nini pour matériel ba bitu sombaki. J'étais fort, matériel, on a acheté, c'est là. Oui, on a dit ça, oui. Mais matériel. Mais quel a été l'apport du partenaire? Il n'y a pas de réponse. Quel a été le niveau d'affectation? À supposer dans la première hypothèse que papa Matete aurait raison, il dit 153 millions quelque chose. Quelle a été l'affectation? Pourquoi je pose cette question? Papa Matete a dit, il accepte qu'il y a une malversation financière. Oui. Mais il répond clairement, Yoka, à l'objet. La débâcle de Bukangalonzo, c'est dû au fait qu'on a remplacé un membre de la FEC, le ministère des Finances. C'est pas, donc ce n'est pas lui. On lui a remplacé membre de la FEC. Mais on tient le ministère des Finances. Ndetali ba débâcle on a nios et ban. Et puis à l'obiboué. Pourquoi IG Fazolanda problème parce que problème est athée. Il y a le Bukangalonzo bandi après yé. Mais l'IG n'a pas cité papa Nangai. Vous allez répondre. Les Camerounais remplacés membres AFEC dans le ministère des Finances, qu'est-ce que ça a à voir avec l'IGF? Moi, je ne comprends pas non plus. Ça n'a rien à voir avec l'IGF. Ça a à voir avec Bukangalonzo. Oh ben oui, il faut le dire au procès. Mais justement, pourquoi me l'Ibolien qui est dans le procès? Il n'aura pas de procès. Il n'en veut pas de ce procès parce que vous êtes trompé la cible. Christian va mieux, le bas. Je vous dis, non. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit qu'il est prêt pour le procès. Non, il a dit qu'il est prêt pour le procès, mais ça, il dit qu'il est prêt. Mais en entendant, monsieur ma défense, il ne voit pas son importance. Cher ami, retenez ceci. L'UGF n'en veut pas, ma tête. Mais pourquoi on est lui-même laissé. On n'a pas cité son nom. Ce sont les gens qui passaient, parlaient de ma tata, critiquaient, injuraient l'inspecteur, injuraient l'inspection de finances. Nous, on est venu recadrer. Oui. Quand lui-même, papa, t'a dit, je risque de faire des redites. Hein. Quand il dit qu'il n'avait pas accusé réception de la note, moi, je suis passé, je dis non, il a accusé réception. Ça, c'est cadré. Quand il tient la conférence, il montre la note. C'est que nous, on a raison. Maintenant, l'UGF a déjà transféré les dossiers, là, Bukangalonzo. À la justice. Nous, on n'a plus rien à dire. Franklin Tchamala estime que vous avez amené un dossier vide, un dossier incomplet. Donc, vous allez donner à la justice beaucoup de travail. Il dit que... Franklin a fait quelles études? Franklin Tchamala. C'était un vice-ministre de ce pays. Non, vice-ministre, ce n'est pas un titre, cher ami. Non, mais il était vice-ministre. Vous dites les études. Il a fait quelles études? Je ne sais pas. Je me suis dit, il y a eu 25 ans de... Mais non, je sais que j'ai travaillé avec lui quelque part, lui-même, le sait. Ouais. J'ai travaillé avec lui. Ouais. Et tu aurais dû te poser la question de passer ici. Écoute, je lui ai demandé de mais passer Franklin, ici. Mais c'est Franklin, Franklin Tchamala, soyez sérieux. Oh. Mais c'est Franklin. Avec tout le respect que je vous dois, on se connaît. Soyez sérieux. S'il vous plaît. Non, non. Azande Konangaï, Nawalubanaza Sérieux, il ne peut pas oser dire que le dossier transféré à la justice est incomplet. Ça, c'est injurer toute une institution. Non, mais parce a-t-il vu le dossier? Mais il explique. S'il vous plaît. Je vous donne les... Non, non, j'ai pas besoin de ces éléments-là. Mais comment ça? Alors, je suppose que vous allez conclure. C'est déjà faux. Quand les prémices sont fausses, quel sera l'état de la conclusion? Tu connais mieux que moi, on cher ami. Mais... Laissez-moi répondre, que les gens me comprennent. Est-ce qu'ils ont... Est-ce que... Attendez. Est-ce que, M. Tchamala, as-tu vu le dossier IGF complet? Je ne pense pas. Deux, est-ce que M. Tchamala, as-tu eu la capacité de voir l'échéance déterminée par l'IGF pour ce contrôle? Trois, M. Tchamala, as-tu entendu ou vu toutes les interventions, feuilles de notes envoyées aux six autres et les réponses? Si Tchamala est capable de répondre à cette question-là, je l'applaudis. Très bien. Et en plus, une institution comme l'IGF ne peut pas envoyer un dossier incomplet. Okay. L'IGF a donné les objectifs, a donné les décaissements, et il a responsabilisé des gens.
les gens qui ont mal géré l'argent de la population, qu'il aille à la justice. Le dossier est transféré. Le projet Bukangalonzo, ça part dans, ça couvre quelle période? Au Montoya Bakar. Du contrôle? Oui, non, ça couvre quelle période d'exécution? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Très bien, je passe à une autre question. Très bien. Le projet Bukangalonzo a vu combien de premiers ministres, ce projet-là? Très bien. Moi, je pense que le projet Bukangalonzo a commencé avec Matata Tampogne. Oui. Après Matata Tampogne, on a connu Badibanga. Oui. Badibanga a bloqué. J'ai donné les raisons ici. Ah, donc deux premiers ministres? Mais il a bloqué. Mais pourquoi vous n'intéressez pas Badibanga? Pourquoi vous ne l'interpellez pas? Bon, voilà. Je vais tenter de répondre à cette question-là. Ok. Je crois comprendre que Papa Matata c'est aussi le concepteur de ce projet, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas mon nom. Moi aussi, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Des choses que je ne mais c'était sous son règne que ça a commencé, ça a démarré. Bravo. C'est un bon projet. Ouais. Tout le monde applaudit ça. C'est un bon projet. On ne connaît pas les concepteurs, tout ça. Mais je voulais t'amener une question. On pose la question à Papa Matata, une bonne question aussi. Sur les plans du marché gré-gré, laissez-moi enseigner un peu, cher ami. On a condamné l'intelligent Vital Kamerhe sur l'affaire marché gré-gré. Vous savez les trois éléments du marché gré-gré? Je pense que tu les as demandés aussi à Franklin, je pense. Je prendrai un seul élément, l'élément confiance. Je prendrai deux éléments. Il y a l'élément confiance et l'élément expérience. Tu sais l'élément expérience? Ça conduit à l'expertise dont disposent les partenaires. Comment expliquer qu'on pose la question à cet homme intelligent, Matata Tampogne? Où est-ce qu'il a connu Africom? Il dit, c'est pas lui. C'est son collaborateur au cabinet. Cabinet de qui? Du Premier ministre. C'est lui qui a amené à cet estimé honorable le nom de cette société africaine. Mais ça dit tout. Sur le marché du gré-gré, tout simplement, si ça, ça n'engage que moi, ça n'engage pas du chef. Par rapport à la science que nous avons apprise, n'épée, au lieu de suivre les procédures normales d'octroi, d'appel à candidature des marchés publics, lorsque une autorité passe par le marché gré-gré, ça veut dire que la confiance à la structure ou à la personne, ou disons structure passe un marché, de deux, il connaît l'expertise dont dispose la dite structure. Et il maîtrise l'expérience. L'expérience, cher ami, même chez nous au Congo, ça part de 5 ans. Mais Africom n'a que 3 ans. Voyons, je ne voulais pas entrer sur ce terrain-là. Oui, on continue. On tu as compris? Oui. Ah, c'est ça, je dois répondre à l'autre question qui est restée suspendue là. C'est pour dire quoi? Papa Matata, c'est pas lui qui a dirigé, il a mis en place tout ça, les gens ont dirigé comme il a dit. Moi, je ne suis pas là. Et après, Badibanga est venu. Badibanga constate qu'il y a des décaissement de 285 millions, ce qui corrobore d'ailleurs avec cette savanterie scientifique dont disposent les inspecteurs sur leur contrôle. 285 millions également. On a dit, il arrête. Voilà comment je peux répondre à votre question. Badibanga dit, il est propre, hein, il n'a pas géré. Il a bloqué ça. Et vous le croyez? On va lui dire... Vous le croyez sur parole? Là, les inspecteurs étaient sur le terrain. Oui. Je ne sais pas s'ils ont interrogé Badibanga. Là, je me réserve. Je ne sais pas. Je voulais répondre à une question. Tu as parlé des inspecteurs qui sont passés. Moi non plus, je n'accuse Badibanga, pas du tout. Hein. Non, tu ne l'accuses pas. Ouais, okay. Toi-même, si tu as accusé, les gens t'apprécient. Qui va t'attaquer? Bon, tu peux être attaqué parce que tu fais bien ton travail. On ne peut attaquer que quelqu'un qui fait bien son travail. Exact. Si on t'ignore parce que tu es inutile, ça arrive aussi aux gens. J'ai une question que tu as posée, rapidement, j'ai essayé de répondre. L'inspecteur qui est passé sur Top Congo, sur les antennes de Top Congo. Il me reste encore une question pour terminer. Oui, celui qui est passé là, il est réellement inspecteur général des finances. Il y a un communiqué, seulement vous a envoyé ça. Oui. Il est réellement inspecteur, mais il n'a pas qualité d'engager l'inspection. Pourquoi? Lorsqu'un inspecteur des finances est en détachement dans une entreprise ou dans un cabinet, le cas de cet inspecteur, il est conseillé à la primature, il n'a aucune qualité ni compétence d'agir au nom de l'inspection. En plus, s'il vous plaît, oui, je vais répondre à ça. En plus, avant que tout inspecteur passe à la télé, tout inspecteur peut passer à la télé, faire une émission, oui, mais il doit avoir préalablement l'autorisation du numéro 1.
c'est leur loi là-bas. Vrai ou faux ce qu'il a dit? Oui, une partie est vraie. Quand il parle, il a limité l'émission de l'inspection. Ben, je suis intervenu dans cette émission à la radio. Top con. Il a limité, il a dit, l'inspection n'a qu'un rôle administratif. Je venais de dire ici que le rapport de l'inspection a une destination juridico-administrative. Vous voyez la destination? Donc, il n'a pas parlé de cet aspect-là. Il est au cabinet. Il était aussi au cabinet de Matata Mponyon. Pour votre information. Il était aussi au cabinet de Matata Mponyon. Donc, on fait les rattachements. Il était aussi ministre. Non, là, c'est les journalistes qui parlent. Mon commentaire, il était aussi ministre. Sous Matata Mponyon, si tu le sais. Non, pas du tout. Ah ben oui, je ne voudrais pas citer les noms. Tu t'es mis dans lequel portefeuille? Mais il était au tourisme. Ah d'accord. Tu as oublié? Okay. Il était au tourisme, je ne veux pas citer les noms. Après, on m'a interdit de citer les noms du gens, je viens parler au nom de l'inspection. Alors, ma dernière question pour terminer, c'est de... Ben, tu as compris au moins? Voilà. Donc, il n'avait pas qualité. En plus, ce qu'il a dit n'était pas complet. Il a limité. Alors, l'inspection se demande. Pourquoi il peut agir comme ça en tant qu'inspecteur des finances, en détachement. Il n'y a pas de sanctions contre lui, non? Il y a une note. Il y a un communiqué qui est passé des antennes de la télévision nationale, qui n'avait ni qualité, tout ça, tu as lu ça. De deux, il y a une note qu'on l'a adressée déjà. On termine. Là, il y a du sérieux. Très bien, on termine avec ce débat, ce sujet. Apo Ipan. Cher ami. Dans sa émission, il y a un mot dans mon corps. Ma tête a pris un lobby que ceux qui vont continuer dans l'Irwana à vous fondre, monsieur Alinguette, à vous porter une plainte, à vous porter. Soit à l'Inguette, soit IGF Mobimba plainte. Parce que, à Bibo, qui ne m'aime pas vers diffamation. Est-ce que M. Alinguette, non, t'en fais pas. Okay. Est-ce que M. Alinguette, Aza, prêt dans la prison? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, quelle question. Aussi, c'est une question à répondre. Non, nous devons respecter nos institutions. Nous devons respecter les hommes qui travaillent bien. Nous devons les respecter. Moi, je respecte l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguette et toute son équipe, son adjoint Batoumega. Je le respecte beaucoup. Je respecte tous les inspecteurs, les inspecteurs généraux, les inspecteurs principaux, les inspecteurs des finances, toute l'administration de là. Je le respecte. Merci à eux pour le travail qu'ils abattent. Nous devons changer ce pays. On ne croisera pas les bras. D'ailleurs, il y a une conférence, tu seras invité. On va encore donner le nombre. Tu seras là. On va donner encore le nombre. Et après, on va déférer les acteurs à la justice. On va prendre le rapport, on envoie à la justice. Le même rapport, on a envoyé au chef de l'État. Vous serez présent. Et vous allez assister, vous allez voir qu'on citera en quel nom. On ne doit pas confondre l'inspection et l'inspecteur général des finances. Mais c'est Gilles Alinguette, il se connaît bien avec ma tata. Il s'appelle Gilles Augustin. Ils n'ont jamais eu de problème. Ils n'ont même pas d'antécédent. Parce que si vous observez bien, M. Gilles, c'est monsieur calme, il n'est pas conflictuel. Donc, les inspecteurs qui étaient sur terrain, sur cette liste-là, il n'y avait pas Alinguette. La présence d'Alinguette n'avait que l'ordre des missions. Il y a des inspecteurs qui ont travaillé ça. Bravo à eux. Ce sont ces inspecteurs qui ont amené des conclusions à leur chef, qui avait signé l'ordre des missions, qui est Gilles Alinguette. Premier élément. Deuxième élément. Les rapports sont de l'inspection générale des finances. Ce ne sont pas les rapports de l'Alinguette. Troisième élément. Monsieur Gilles Alinguette, l'inspecteur général avait dit ceci. Celui qui trouve qu'on a menti, il n'a qu'à aller à la justice, accuser l'inspection. Il avait déjà dit ça bien avant. Il a dit encore, le premier qui osera sera arrêté. Lui qui, c'est le premier qui osera accuser l'inspection. Cette personne-là sera arrêtée. Pourquoi? Parce que ce que l'inspection a dit est fondé. Il a respecté les règles de l'art. C'est à la justice d'apprécier. Oui. Supposons que. Bon, tu permets, tu n'as pas le remonter. Oui, ah non, bon. Supposons que. Là, si réponse est en quoi supposons que Bouquet a parqué, que la justice peut échouer, que Matata a gagné. L'un d'entre ces tournants, même 15 EPST, supposons qu'il va gagner. Est-ce que M. Alinguette a le courage de démissionner pour avoir mal fait les enquêtes? Moi, j'ai confiance en notre justice. Moi, pour Ipan, j'ai confiance. Très bien. C'est pas là où j'invite cette justice à une sérénité du jugement, qu'on fasse vite. Parce que, n'oublie pas, nous sommes dans un pays où tout n'est pas encore bien maîtrisé.
Les gens peuvent passer de gauche à droite pour m'ramasser bima prewana. Yaonga na lobby. Yaonga na lobby boy. Il est difficile. Là c'est moi qui parle. Il est difficile d'expert on a eu une inspection générale des finances. Basa la rapport. Et kende na population pour la miso. Et kende na justice. Justice à l'oba non. Inspection est aussi. Pour nanini. Ma pièce d'inspection à Zanao. Ma procédure d'inspection. Les interviews. Deux éléments dans la banque. La naïmoro. N'assista une fois. Ou ma benga confrontation. Ma population mou la nanaï. Na confrontation. Moutoubazangi mbe. Après contrôle ma benga. Ma vandi si yo. Ma bandi ko solo anayo. Oyo ndimi te. Ma tiena pimbe. Ma longoli. Oyo ndimi. Ma tiki. Donc, il y a la justice. Yo y a une condamnation dans la place. Je vais vous donner un exemple. Il y a une facture de 13 millions de dollars. Inspection est louquée, louquée, une facture de 147 millions. Il y a une facture de 147 millions. Il y a 147 000 dollars. Il y a une facture de 13 millions de dollars. Et que la justice, ils ont raison. Christian, mais ça c'est grave. N'a pas su exemple. Facture il y a 140 000 et commis 147 000 dollars. Et commis 13 millions. Bah il y en a très. Batali facture. N'a pas su exemple. N'a pas su d'exemple. Facture il y a 13 millions de dollars. Ben inspecteur Baba Congolais. Ben inspecteur va souffrir dans Moko. Bazana ba famille. Tozana ba zélaté. Le leçon de ma life place aucun des athées. Babi si Ndeko. Na confrontation. Ndeko. Atayo Moko. Maman Yemo et Zako Koufa Karma pa Yembi. Yo et Loko il y a 147 000. On tient 13 millions de dollars. Oh, pardonnez-moi, je ne suis pas seul. Chaîne. Ce que c'est comme la justice n'est à changer. N'a pas ce qu'exemple. Alors, ce qui bon, c'est bon, on a rébellé alors. Je. Bon, on a une drôle au baptême. Maintenant, le bataille qui a pour Ipan. Bateau au Kangama. Bon, secrétaire général de la PST. Asseni. Oui, il y a une fois Kangama, je m'en oh, yem. Vas-y, il y a un T'es vieux pour Kangama. T'es yem, il faut pas Kangama. Moi-même, je suis en Alonso. Je suis en Alonso, je suis en Tali. Papa m'a dit, lui m'a amené père. Surtout lundi, il m'a amené lundi. Il m'a amené père. Il m'a amené père. Il m'a amené père. Il m'a amené père. Ça arrive. Il m'a amené père. Il m'a amené père. C'est possible, papa m'a dit. Mais tu m'as amené père. Tu m'as amené père. Eh, eh. Pour nous, 285 ans, dans quel EPST EPST, tu vois ça 15. 15. Pour l'information, il y a un scoop dans le pays. Il y a un oiseau qui est de Sambaka. Il y a un oiseau qui est de Sambaka. Il y a un oiseau qui est de justice. Il y a un oiseau qui est de Sambaka. Il y a un oiseau qui est de Sambaka. Il y a un oiseau qui est de Sambaka. 15 ans, à part au bazar d'immunité, il y a un oiseau qui est de Sambaka déjà. Il y a une photo qui est de Sambaka. Il y a un salon pour moi qui est de Libousso. Papa, tu sais que dit, nous avons un bon bail. Allez, bah, continuer quand même. Nous avons pas l'émission là-haut. Nakoya. Merci. Nakoya, vraiment. Il n'y a pas de conflit à l'inspection. Inspecteur à lobby, Azana primature. D'ailleurs, le gouvernement est déjà déjà, Premier ministre Abimi. Quand il était à Azana en inspection, il y a un syndicat. Communiquer avec un syndicat. Et un inspecteur. Syndicat de rappeler à l'ordre. Ce que tu as dit, rappeler à l'ordre, que ce n'est pas normal. Et il y a mis barré, maman lobby, il y a un écouté. Ils ont bien été. Merci. Merci beaucoup à Poipan. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Bateau, on a besoin de la lumière. Pour avoir la lumière, toujours la lumière en ligne. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalisés. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo. Je suis Congolais, vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons. De cartons spécial et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime.
Nous avons le air fret, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road fret, le routier. Quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc nous, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Loye Bolonde Nelali Sangha.